Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça serait une sélection de parfums pour cet été que moi je porterai, que j'ai dans ma collection. Je vais vous en présenter une dizaine et la plupart ils sont tous mixtes. Avant de commencer, si vous pouvez vous abonner, de liker la vidéo aussi, ça me ferait super plaisir. Enfin, liker la vidéo à la fin de la vidéo du coup si ça va vous plaire. Alors le premier, c'est un parfum assez abordable je trouve, c'est le Nice Bergamot d'Essential Parfum. Alors celui-ci, c'est l'un de mes coups de cœur de chez eux. J'avais testé le coffret découverte. J'aime bien porter des parfums spiridés en été parce que ça me rafraîchit. Il va pas tenir toute la journée, je vais pas vous mentir. C'est un parfum volatile comme la plupart des hespéridés. C'est un parfum clairement pour rafraîchir. Donc c'est le Nice Bergamot d'Essential Parfum. C'est une bergamote, c'est que des agrumes en fait ce parfum. Je vais essayer de vous mettre tous les liens des parfums en barre d'infos. Et aussi si j'ai des codes promo, je vous les mettrai à côté aussi. Un deuxième aussi, c'est un parfum que je présente souvent comme étant l'un de mes parfums préférés. C'est le couleur vanille de l'artisan parfumeur. Je le décris comme une vanille salée sombre avec une évolution florale. Franchement ce parfum c'était un gros coup de cœur quand j'ai senti en magasin. En fait j'imagine vraiment au bord de l'océan, pas au bord de la mer, pas au bord de la plage. C'est vraiment au bord de l'océan toute l'année. Il est plus portable en été vu qu'il a ce côté marin aquatique. Mais moi je le porte vraiment toute l'année ce parfum. Parce qu'il a vraiment cet aspect sombre justement. Ensuite on a l'eau de liesse de Courrèges. Ça c'est un parfum assez abordable aussi. On le retrouve facilement en promo chez Nocibé ou Marionneau justement. Je crois que j'ai acheté chez Marionneau. Ça c'est vraiment un clean scent gourmand. On ressent de l'amande, on ressent de l'iris, c'est un côté très poudré. L'amande, on la ressent beaucoup parce qu'il y a vraiment, il y a de l'héliotrope et de l'amande aussi en même temps. En fait, ce parfum, il est hyper doux. C'est un parfum très musqué, amandé. Franchement, c'est un parfum hyper doux. Je trouve super beau. Pour moi, ça, c'est un parfum idéal pour le printemps-été. Là, on va partir sur une vanille gourmande aussi. C'est le Acqua di Parma, le Vaniglia. Un jour, je l'ai porté, ma soeur m'a dit que je chantais le sucre vanillé. Et c'était ce parfum, je l'avais porté l'été dernier en plus. C'est pas une vanille gourmande qui va être trop opulente, qui va vous exploser le nez en fait. Parce qu'il a, il a un côté agrume, c'est ce qui va adoucir le parfum aussi. Il y a un côté amandé aussi. Il me semble qu'il y a de l'amande aussi sur ce parfum, je suis pas sûr. Je crois qu'il y a d'héliotrope justement dans ce parfum, c'est pour ça qu'il y a un côté amandé. Une de mes dernières acquisitions aussi, c'est le Amare de Cartusia. Celui-ci, ça a été un blind buy. Je l'avais mis sur ma peau la dernière fois. Et quand je l'ai senti, c'est comme si j'avais mis de la crème solaire et que je suis parti nager. En fait, ça a cette odeur. Dans une plage un peu sauvage parce qu'il y a un côté très aromatique. Il y a même de la menthe qu'on sent très bien. Et ce parfum, je l'imagine plus sur un homme aussi. Ça, pour le coup, j'avoue que je le verrais plus sur un homme, mais complètement mixte. Ça serait plus facile pour un homme de le porter qu'une femme, je pense. Avec ce côté aromatique. Et il y a la note aquatique très salée aussi qu'on ressent et que j'aime énormément. C'est ce que j'aime justement. Les notes salées, en fait, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ça a été un coup de cœur, ce parfum. Ça va être l'une de mes signatures pour cet été, d'ailleurs. Ensuite, un parfum que j'aime beaucoup, je l'ai acheté cet hiver. J'attendais que ces moments-là pour le porter. C'est le Joyous de Bois d'Icéa. Et ce parfum, c'est une fleur d'oranger, mais hyper original, je trouve. Il y a vraiment un côté bois de santal. Et il est même pas noté sur Fragrantica, ça me choque. Je ressens la note comme si elle était, comme si elle était là, du coup. Moi, quand je décris le parfum, c'est fleur d'oranger, bois de santal. En fait, ce parfum, c'est un hypocrite. Non, je rigole. Ce parfum, en fait, c'est un faux gentil. Il a vraiment cette douceur au début, avec cette évolution vraiment boisée et tout. Ce parfum, il est hyper beau, je trouve. Je l'avais acheté en boutique pour vous dire le coup de cœur que j'avais eu. Ensuite, on a un parfum de chez La Manufacture. C'est une marque assez abordable. Et j'ai eu un coup de cœur pour un parfum qui n'était pas en boutique. J'ai acheté un parfum, j'ai acheté le Symphony, il me semble. En fait, j'avais acheté le Symphony parce que je voulais acheter. C'est ça mon problème. C'est vu que j'étais à Paris, je voulais acheter. J'ai acheté le Symphony et on m'a offert le... J'ai acheté le Symphony et on m'a offert le coffret découverte. Et après que je les ai tous testés, tous mes coups de cœur, ils étaient pas en boutique. J'espère que quand vous pourrez faire un tour à Printemps Haussmann, que vous allez trouver tous les parfums. Parce que moi, les coups de cœur que j'ai eu, ils étaient que dans le coffret découverte. J'ai eu Admirabilis, que j'ai beaucoup aimé. Boaras, il y en avait plusieurs, franchement, je me souviens plus. D'ailleurs, j'ai mis en vente le coffret découverte sur Vinted. Le lien sera en barre d'infos aussi. Et les Admirabilis, ils sont inspirés de l'abbaye de Fontefroide. C'est un ancien monastère. Et du coup, ce parfum, c'est vraiment cette vibe-là qu'on ressent. C'est un encens, mais assez frais. C'est pour ça que je l'imagine en été. Si vous voulez un encens pour cet été, celui-ci, il est clairement portable. Il y a vraiment un côté agrumé, fumé, frais. Comme j'imagine, en fait, dans un monastère. En fait, j'imagine ce parfum en été dans un monastère, mais à l'ombre. Vous voyez le genre de bâtiment qui dégage une fraîcheur avec les pierres? C'est ce que j'imagine. Il est hyper beau, ce parfum. C'était un coup de cœur, vraiment. Ensuite, on a un parfum. C'est un des meilleurs parfums sucrés pour homme, pour moi. C'est le Naxos. Dans ce parfum, on retrouve du tabac, du miel, de la lavande. Je trouve assez masculin malgré qu'il a cette note vraiment sucrée dans le parfum. Ça pour l'été, c'est parfait pour un homme, je trouve. Un coup de cœur que j'ai eu chez Golfi Den Banks, c'est le Engineer's Ginger. Je dis jamais ce mot, mais c'est vraiment un parfum hyper tonique. Quand je le sens, c'est vraiment ça que je ressens.
Le parfum, il donne carrément envie de boire. En fait, il est hyper spécial parce qu'il a un côté poudré aussi. Et le gingembre qu'on sent, il est un peu piquant. Moi, pour moi, c'est ce que je ressens. Et très agrumé aussi pour le coup, vu que c'est du gingembre, quoi. C'est vraiment un parfum pour l'été. Quand j'ai testé l'échantillon de ce parfum, j'ai cherché un bon plan direct et je l'ai acheté direct. C'est rare que ça m'arrive ça d'ailleurs. Ensuite, on a un gros gros parfum. Et je crois qu'il doit faire 600 grammes. Le parfum, il est hyper lourd. C'est un Electimus et c'est le Imperium. On ressent vraiment un côté vanillé boisé. Il me semble que c'est un extrait de parfum. Hein. C'est un parfum très vanillé, floral, avec beaucoup d'agrumes aussi. C'est pour ça que j'imagine vraiment en été. Il me fait vraiment rappeler au Morning Chess de Vilaine Parfumerie pour le coup. Mais ouais, il est hyper beau ce parfum. Et il me fait rappeler à Annie de Nishano aussi. Donc ça peut être une alternative pour moi. Et même, je crois que je préfère celui-ci. Mais ils sont dans le même délire. Si vous aimez le Annie, vous allez aimer celui-ci sûrement. Enfin, ensuite, on a l'une de mes signatures, on va dire. Enfin, une signature, j'en parle jamais pourtant. C'est le Baldafric de Byredo. Je dis tout le temps que c'est grâce au Sintra que j'ai découvert la parfumerie de niche. Mais c'est grâce au Baldafric aussi. Je sens vraiment la fleur d'oranger. Et c'est pour ça que je l'aime, je crois. Parce que c'est une fleur d'oranger comme j'ai jamais senti. Elle est hyper spéciale. J'aime pas du tout les fruités, mais vraiment quand c'est à petite dose, bah j'aime. Là, comme là, il y a une pointe fruitée. Mais ce parfum, il est hyper beau. Après, il a une évolution un peu plus boisée. Mais après, il a pas une projection de fou, ce parfum. C'est ce que je lui reprocherais. C'est trop dommage, d'ailleurs. Parce que c'est un parfum que j'aime énormément. Mais malgré tout ça, j'ai déjà reçu des compliments avec ce parfum. Un autre aussi, il y a le Rice d'Acro. C'est un autre fruité. On retrouve de la noix de coco, de l'ananas à l'intérieur. Et il m'a un peu trop écœuré, ce parfum. Comme je vous ai dit, ouais, moi, les parfums fruités, c'est pas mon délire. Après ça, c'est pas un fruité simple, hein. C'est vraiment de la pina colada pour le coup. Après, pour l'été, c'est vraiment le parfum idéal pour les dépravés. Non, je rigole. Ce parfum, c'est vraiment la vibe de l'été. D'ailleurs, ils l'ont sorti l'année dernière en septembre. On n'a tous pas compris pourquoi. Parce que c'était vraiment un parfum parfait pour l'été, justement. Il y a de la fleur de tiare sur ce parfum aussi. Mais il fait pas du tout monoeil, en fait. C'est ça que j'aime bien aussi. J'ai l'impression de sentir un petit côté salé aussi. Mais ça, je crois, c'est moi qui invente. Un petit dernier, c'est le Inlé de Memo Paris. C'est un parfum hyper beau. Ça sent, en fait, ça sent le thé. Ce parfum, ça sent clairement le thé. C'est vraiment un floral frais, je le trouve hyper beau. Juste pour vous dire, pendant la canicule, je portais le Inlay, mais en parfum pour cheveux. Même pas en parfum. Je me rappelle encore d'une action, c'est j'étais parti chercher un colis. Et j'avais mis cette brume parfumée, justement. Il faisait hyper chaud, vraiment. C'était abusé, il faisait hyper chaud. Et il y a un mec, il est rentré dans la boutique, il a dit que ça sentait hyper bon. Il a demandé à la femme si c'était elle. Elle a dit non, non, c'est le monsieur ici. En parlant de moi, du coup. Et juste pour vous dire que c'était juste avec la brume parfumée pour les cheveux. Moi, j'aime bien porter les brumes parfumées pour cheveux en été parce que c'est c'est super léger. Et c'est une bonne alternative aussi, les brumes parfumées, quand vous n'avez pas d'argent d'acheter un flacon. Je sais que chez Memo Paris, il n'y a pas du tout d'alcool. C'est vraiment des parfums à base d'eau, il me semble. Du coup, voilà, c'était les parfums d'été que je vous conseille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous aussi. Je ferai un concours à 10 000 abonnés sur TikTok, même si c'est dans longtemps, mais je préfère le dire quand même. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.